Tikana prophétiser na vie. Bisika balinga bazokufa kokufa te. Eloko pomi tata na yo ko poma yote. Eloko pomi mama e ko poma yote. Ya ye. Les jours de chaque chrétien ont tourné. Tu vas savoir que la vie est spirituelle et que la foi est spirituelle. Et tu commences à spiritualiser ta vie. Tu vas commencer à dominer sur cette terre. Même tu l'avais dit, tu l'as dominé. C'est moi qui bats la poitrine, je te le dis. Est-ce que Basimba Kazambe? A partir de l'élo, na commission intouchable. Amen. Na commission bino invisible. Na yoko kotsa yo, na linye ya batuba isapa makambu ya tenye wa.
Merci pour ta présence avec nous. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci pour des témoignages. Que toute la gloire revienne à toi seul. Nous sommes là encore. Parle à nos cœurs. Délivre. Guéris. Jésus. Merci papa. Na kombo na Yesu. Tosambeli. Amen. Na pezi bino banso mbote bisika bozoli. Je vous salue tous de partout où vous êtes. Zambe apambula moko na moko na bino. Que Dieu bénisse tout un chacun de vous. Nandimi teke sanza oyo. Je crois que en ce mois ezala sanza penza denge mal parole bimaki ezala sanza ya examination. Et tel que la parole a été déclarée, que ce mois d'août 2020 soit un mois d'examination de soi. Pourquoi examination? Parce que makambo ezo salema na mokili ezo senga tomitala moko na moko surtout na ngonga oyo ebele. Et c'est ça l'objectif de l'ennemi, c'est ça mission ya ennemi. Que condima abatu ekita bolingo abatu pona zambe e se refwadi e pona nini sanza ya komitala ezapoete na ngonga oto komi monguna zo sala nyonso pona kokitisa kondima ya bato pe kokitisa bolingo ya bato pona nzambe ya mwana esengela moko na moko amitala malamu. Je crois que belé na biso tozo vivre maintenant réalité ya Ephésiens chapitre 6 verset 12. Je crois que nombre d'entre nous nous vivons la réalité de ce que l'apôtre Paul dit dans Ephésiens chapitre 6 verset 12. Ce n'est que le commencement. Nous ne combattons pas contre la chair et les sangs, mais contre les principautés et le pouvoir. Qui voulait diriger et contrôler notre monde. La race des fipères. C'est dans cette époque. Mais il faut que chaque enfant de Dieu fasse l'auto-examination. Parce que les signes du retour de Christ sont parce que tout s'accomplit en cet instant-ci. La seule chose à lui, quand vous allez voir celui-là qui est antichrist, qui est contre tout ce qui est de Dieu, à me proclamer Zambé, là, le Fils de l'homme va apparaître. Notre rédemption est tout près. Et celui qui est vrai enfant de Dieu doit être dans la joie car notre rédemption est proche. Voilà pourquoi cette thème pour cette mois d'août. C'est notre mois de l'examination de soi. Les alliés sans un abisso, oyo moko na moko na abisso, et c'est que la mita la malamo bomo inaye. Yango tozo bandana
verset biblique nabiso ya moi ya parole prophétique de Corinthiens 13 verset 5. Voilà pourquoi nous allons commencer par notre lecture principale du mois de Corinthiens chapitre 13 au verset 5. Yep. De Corinthiens chapitre 13 verset 5 version Darby. Examinez-vous vous-même et voyez si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas à l'égard de vous-même que Jésus-Christ est en vous, à moins que vous ne soyez des réprouvés. Alléluia. Amen. Alobi, examinez-vous vous-même. Personne ne peut le faire à ta place. Il faut tout mettre là. Est-ce que température na biso ezaya ko kita pona zambe pona bolingo na biso na Yesmas na kondimana. Est-ce que ikiti ou bien imati? Parce que makambo bele salami na tango ya soki confinement soki confini moyo makambo bele salami spirituellement et c'est ça l'objectif. Il faut biso bana zambe toza la kidiba te il faut to fungula mayele. C'est ça l'objectif de l'ennemi. Enfants de Dieu, ne soyons pas distraits, soyons sages, car l'objectif de l'ennemi, c'est d'amener nombreuses personnes dans la distraction, comme cela a été fait dans ce temps de confinement. Alléluia. Amen. Parce qu'il n'y a plus de rassemblement, il n'y a plus de communion fraternelle. Alors, examinez-vous vous-même et voyez si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même, ne reconnaissez-vous pas à l'égard de vous-même que Jésus-Christ est en vous. Ezangonga penza ya examination. C'est l'heure de l'examination. Alléluia. Tangapunanga version mususu. Version parole de vie. De Corinthiens 13, 5. Interrogez-vous. Oui. Voyez si vous vivez comme des croyants. Et belé. Nombreux. Bah, chuté. Ont chuté dans la foi. Bah, couple belé. Mais bah, moussoussou est solidifié pango. Mais bah, moussoussou, bah, mes sanités qu'on vend ensemble. Ils ne sont pas habitués. Chaque jour. Tongo. Tata akei, mama pe azunze la, bazonga kakao, kase, na butu. Siko, mkolo yo, obla oblige, bovanda, komiko muna, eroya muninga, oyo feble, kanda, ebele, na kukuna zoe pseyo. E sali boomerang eloko yo. Ça crée des catastrophes. Maintenant, esenge titomir, interroger. Nous devons nous interroger. À propos de notre foi, à propos de notre amour pour notre Seigneur Jésus-Christ, qui est très important. Le Seigneur Tomi Tunana, où est-elle condamnée à Bissot, où est-elle polygone à Bissot, pour encore Jésus-Christ. Interrogez-vous, maintenant. Interrogez-vous. Voyez si vous vivez comme des croyants. Oh, comme des croyants, ou bien comme des païens. Alléluia. Amen. Examinez-vous. Vous reconnaissez bien que Jésus-Christ est en vous, n'est-ce voilà. pas? Ou alors, vous ne pouvez pas donner des preuves de votre foi. Alléluia. Il y a des choses à regarder ici. Est-ce que Kondi Manabiso, ils ont quitté ou ils ont maté? Et qu'est-ce qu'on doit faire pour tout mettre ça? Bolingo Nabiso Ponaye, et quitté ou bien maté? En ce mois-ci, nous devons faire l'auto-examination, savoir ma foi, mon amour pour Christ, est-elle augmentée ou elle a baissé? Parce que quand il va venir, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et ça point d'autre. Quand il va venir, est-ce qu'il y a un condiment? Est-ce qu'il y a un condiment toujours? Parce que place, la race de Vépé, il y a un condiment. Il y a un condiment. Il y a un condiment. La parole de Dieu nous pose la question, quand Christ reviendra, est-ce qu'il trouvera encore la foi sur la terre? Parce que la race de vipères est en train de tout faire pour tuer l'amour de Dieu. Tout ce qui se passe aujourd'hui est wana codé dans la parole de Dieu, textuellement. Et là, comme il dit Daniel, il faut sambela et keko yam konzi.
bimisi mibeko yango ezo se répéter aujourd'hui. Et pareil chose la loi et bimi oyo esali ke bakanga bango na boloko. Ba poka bango na libulu ya lion, ba mususu na libulu ya moto. Yes. C'est la même chose textuellement. Et loko moko ndenge moko penza. Hallelujah. Amen. Amen. Ça a été prophétisé depuis 2018-2019. Et ça kolamaki utabambule eleki. Alléluia. Amen. Amen. Mm-hmm. Version parole vivante, oui. De Corinthiens 13, verset 5. Mm. Mettez-vous donc vous-même à l'épreuve. Examinez votre vie pour voir si vous vivez dans la foi. Examinez votre vie toi-même. Au sein de la auto-critique. Autocritique. Yes. Ce qui est en nous, mon ensemble, ce qui est en nous, na katia kondima. Oui, faites un peu votre examen de conscience. Voilà. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est parmi vous, à moins que cet examen ne tourne à l'échec et que votre qualité de chrétien ne résiste pas à l'épreuve. Votre qualité de chrétien ne résiste pas à l'épreuve. Auto-examination. Amen. Amen. Version Lingala 2 Corinthiens 13 verset 5. Bomitu na bino moko pebota la soki bozali kati na kondima. Merci Lingala. Bomitu na yo moko otala soki ozana no kati ya kondima. Bomita la penza bino moko malamu. Bomita la penza bino moko malamu. Voilà. Boyebite te Christo azali kati na bino. Loba ete bosila kokweya na komekama. Oyos oyoki. Loba ete bosila ko kweya. La ko mekama. So bandeko. Bien aimé. Ezangonga esengeli tosala auto examination, auto critique, omi interroger yo moko et on réagit en conséquence. Ce que moni ke vie spirituelle na yo esekiti, vie de prière et koufa. Maintenant, avant ezala trop tard, ça la quelque chose. Avant qu'il ne soit tard, dès que tu remarques que ta vie de prière est abaissée, tu dois faire quelque chose. Alléluia. Amen. Tomoni makambo ezoya. Nous avons vu des choses à venir. Et nasina lobaki. Et je l'avais déjà dit. Mutu yakokomona musika akomona place ni ezokende. Celui qui peut voir très loin saura où il va. Parce que nous sommes déjà avisés par le Saint-Esprit et par la parole de Dieu. Amen. Et c'est que l'on se prendre yote. Cela ne doit pas te surprendre. Non. Non. Alléluia. Amen. Amen. Parce que alors, méchanceté est comme un belé dans mon kili. Et quoi affecter que même bullying na yopo na zambé et refroidi. Il parle aux croyants. So yango wana il faut tout ça là quelque chose. So que monique énergie physique ezo kita. Monique ozana nzala. Physiquement, qu'est-ce que tu fais? Au luki loko yako lia. De même, bile yako ni maizali. La nourriture spirituelle ouais. Existe. Bile oye komatsa bolingo na yo pona zambe. Amen. Cette nourriture qui va élever ton amour envers Dieu. Version le livre de Corinthiens 13, 5. Examinez-vous vous-même. Êtes-vous vraiment chrétien? Hey, examinez-vous vous-même. Êtes-vous vraiment chrétien? Tu examines comment tu vis ces temps-ci. Verset 5. Examinez-vous vous-même. Êtes-vous vraiment chrétien? Avez-vous subi l'épreuve avec succès? Ressentez-vous toujours davantage que le Christ est présent et puissant en vous? En vous. Ou alors, faites-vous semblant d'être chrétien? Quant à réalité, vous ne l'êtes pas du tout.
Alléluia. Nangunga tuzo komoyo, makama ya semblant ezali juste. Le temps que nous atteignons, il n'y aura plus de semblant. Alléluia. Amen. Il faut s'identifier. Tu dois être identifié. Alléluia. Amen. Zomuna. Na tango ya Shadrach, Meshach, na Abednego, eloko kitisi bango na kati ya libula ya moto ezani. À propos de leur foi, leur croyance. Shadrach, Meshach, Abednego, c'est à cause de leur foi qu'ils étaient jetés dans la fournaise. De même Daniel. De même leur ami Daniel. Bachena libulu ya lion parce que azo sambela zambe na ye. On l'a jeté dans la fosse au lion parce qu'il priait son Dieu. Ba yisi asambela bikeko ce qui ya nini. Alléluia. Amen. So, alors c'est de même. Nous allons lenge moko lelo. Le sambo na ngai. Ma prière Mata. Ma foi ne faillira pas qu'elle s'élève. Yesu amoni biloko yusukotanga ngokalamite. Amoni biloko yoyosoke ekoya. Exacte que il est à la base. C'est clairement dit. Alors c'est le diable qui vient voler, détruire et tuer. Moi je suis venu pour vous donner la vie en abondance. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas à l'auteur de la mort. Non, non, ça c'est le diable. Même Makambo Yakoro, c'est le diable. Amen. Et Jésus avait déjà tout vu d'avance et il a annoncé dans sa parole. Ce n'est pas qu'il en est la base, mais il est l'omniscient, il connaît tout. Il avait déjà tout vu d'avance car c'est le diable qui en est la base. Azazambi a monaka suka ya likambo kouta na ibandeli. Asia lobi, il y aura des persécutions. Ba faux prophète ba côté les ma vie et c'est pas ça ya bisote ya monde ba télémisi bango ba ça pour na ko bibi ça liki moko so ki e beli e poli so ki o moni e bibi si ba mususu c'est comme ça nous on est ba gestes stratégiques ya ennemi pour na ko refroidi bolingo ya bana nzambe ko boma kondima on a batu makambo ya nzambe na vanda na Oza mayelete se nyoso wana ekomami deja po e prepare yo na tango ya sukoyo ezage satanique. Et toutes ces choses Jésus les avait déjà vues en avance. Et même parlant des faux prophètes, il savait déjà que des faux prophètes viendront. Et tout cela c'est juste pour ruiner tout ce qui est de vrai aujourd'hui, afin que les enfants de Dieu n'aient plus la foi. Alléluia. Amen. Nani totanga Matthieu chapitre 20. Avant tout temps, Matthieu chapitre 24. Pourquoi on doit s'examiner? Pour la ligne, Seigneur, tu m'as dit la malade. Mon Bible est complète. La parole de Dieu est complète. Hébreux 3, verset 13. Nous allons lire dans le troisième chapitre du livre aux Hébreux, verset 13. Tout temps, ma gamboa commis. Hébreux 3, verset 13. Hébreux chapitre 3, verset 13. Oui. Version Darby. Mais exhortez-vous l'un l'autre chaque jour. Money. Aussi longtemps qu'il est dit aujourd'hui. Afin qu'aucun d'entre vous ne s'endurcisse. Alobi, mais exhortez-vous l'un l'autre chaque combien de jours? Chaque jour. Money. Chaque jour, aussi longtemps qu'il est dit aujourd'hui, afin qu'aucun d'entre vous ne s'endurcisse pas par la séduction du péché. Amen. Il faut Tommy. Exhorter chaque jour à travers de quoi la parole. Amen. Tous à battre. Sinon, au moins à Konima, Napolingo, Ezo, Kita. Bandeko, bien aimé. Après la vie ici-bas, il est notre vie. Ça, je te dis. Va, Kendo Tala, Kotana, Goggles, Kotana, Kotana, YouTube, au moins à battre, Oyoba, Koufaki. Bakoti na commande parce que un mois une semaine bakoyisa yo eloko nini ba moni avant bazonga pour na koyisa que après cette vie ici il est notre vie cette vie là yangonde Yesu abengi la vie éternelle maintenant dengue to mener vie na biso awa et ko déterminer bisika nini to ko mi retrouver soit jugement éternellement hein ou paradis so yango Kendo tal omuna ba paye même ba demi frère yes. Ba toutes sortes ba omun mususu azo lela
Allez consulter réalité. Vous verrez nombreuses personnes qui témoignent de la réalité de l'éternité, qu'après cette vie terrestre, il y a une autre vie qui nous attend. Il y a d'autres qui ont vu l'apparition de Jésus. Et sans qu'on puisse l'évangéliser, il s'est converti à la ressurrection. Assez à l'obi, à co manifester par tous les moyens, comme ça, mutumokote azala na raison. Il a dit qu'il se manifestera par tous les moyens afin que aucune personne n'ait l'échappatoire. Bandela, verset 13. Toujours que d'être dans verset 15. Hébreux 3. Hébreux chapitre 3, verset 13. Mais exhortez-vous l'un l'autre chaque jour, aussi longtemps qu'il est dit aujourd'hui, afin qu'aucun d'entre vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. 14. Car nous sommes devenus les compagnons du Christ, si du moins nous retenons ferme jusqu'au bout le commencement de notre assurance. 15. Selon qu'il est dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme dans l'irritation. Alléluia. 16. Ça va, ça va. Amen. Alléluia. Amen. 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 So, l'ilobaza me alobitomi exhorté chaque jour. Ponanini. Pourquoi? Parce qu'il y a biké. Namakambo ezoya. Dans ce qui arrive. Et quoi fêter bolingo na kondima batu et belé. Amen. Mais dans cela il y a exhortation. Mais par l'exhortation. Mon amour, oiseau nimba spirituellement à l'amour qui va se réveiller. Voilà la parole prophétique de 7 mois, auto-examination. Aussi longtemps que vous en avez soufflé, aussi longtemps que tu as le souffle, tu peux tout réparer devant Dieu. Mais dès que souffle, c'est fini. Dès que tu n'as plus de souffle dans tes narines, c'est fini. Version Lingala Alelo, Hébreu chapitre 3, verset 13 à 15. Verset 13. Kasi awa ekomama lelo. Lelo. Bolendi sanaka mokolo na mokolo. Bolendi sanaka mokolo na mokolo. Pomoto mokote na kati na bino, akoma motu makasi, pe alanda nzela ya masumu. Alléluia. Amen. Osobona. Sinon, au moins, c'est ça l'objectif de l'ennemi dans l'obi. Dans toutes ces circonstances, il n'y a plus de communion fraternelle. L'isanga est allé sous. Yo wano, mais sanité, kokota na communion na zambé. Ni pa na yo. Soki kaka, basanga ninde. So siko mkolo yo. E belé, chua, chua. Nombreux ont failli. Ça c'est la vérité. De nombreuses personnes les témoignent, ceux qui sont sincères. Qui en tout cas papa vit des prières qui est normal. Yango, il faut tomi exhorter. Tomi l'indisama. Continue Lingala. Verset 14 Lingala. Tokomi bato ya Christo. Bobele soki to tie motema epai ya Nzambe tina suka ndenge to bandelaki. Alléluia. Tina suka to tie motema tina suka ndenge to bandelaki. Ndenge to bandelaki. Ndenge to bandelaki marche na yo chrétien. Comme tu avais commencé ta marche chrétienne. Na kosa binote bandeko nyonso ezo sala ezo viser Christo. Ezo viser tout ce qui arrive aujourd'hui, que je ne te trompe pas, cela ne vise que Christ ainsi que son peuple. Que vous le croyez ou non, dans peu de temps, vous en serez convaincus. Je vous disais toujours, tout ce qui se passe sous la terre, c'est la guerre entre le ténèbre et la lumière. Mais ce que je sais, Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Aussi longtemps nous sommes ici sous terre, nous sommes la lumière. Et la lumière est maître de ténèbres. Alléluia. Amen. Verset 15, Lingala. Et comment ma boye? Les lots qui boyo
soki maloba ya Nzambe bozala mituma kasite mutima kasite ndenge bakoko na bino basalaka mokolo batomboka. Alleluia na yeko ibsa yo ndenge zola nangai na tongo. Alleluia call de guérison soki omoni ke bolingo ekiti konima ekei kozala mutuma kasite ndeko zongela. Azazambe miséricorde zongela avant ezala trop tard. Si tu remarques que ta foi a failli, ton amour envers Dieu a failli, reviens vers lui avant qu'il ne soit tard, car c'est un Dieu miséricordieux. Mutuakuko chete mbete kwa siki makamonyo sui komami. Yangu tuzo vivre na misu na viso. Na lobi yangu na 2019. Lobi ekokuma farafako. Komsa. Ekokuma. Beye. Boko sentir yangu. Yangu. Et toutes ces choses qui sont écrites, je l'avais déjà dit depuis les années passées, qu'elles vont sortir de la Bible et nous les verrons en face comme ça. Et voilà, cela arrive. Patumuzo bazo sepela. Zela. Le pire revient. Naza prophète de malheur, mais oyo ezaka le pire encore. Ezo ya yango ezangonga ko lendi sakondima. Po Yesu azo zonga kala mingite. C'est le temps d'affermir la foi car le pire arrive, mais Jésus-Christ revient bientôt. Profitez na maman oyo ndeko. Profite de ce temps bien-aimé. C'est pas toute chose qu'on dit. Et l'on connaît cette nette au passé mingite. Ramo so to bombango, c'est long. Le Saint-Esprit. Il y a des choses que je garde secret selon l'orientation du Saint-Esprit. Versions les livres. Hébreux chapitre 3, versets 13 à 15. Parlez-en entre vous chaque jour, pendant qu'il est encore temps, afin que personne ne soit aveuglé par l'éclat du péché et ne s'endurcisse contre Dieu. Alléluia. Verset 14. Car si nous sommes fidèles jusqu'à la fin, et si nous mettons notre confiance en Dieu comme nous l'avons fait au début, alors nous sommes devenus chrétiens. Voilà. Nous aurons part à tout ce qui appartient au Christ. 15. Mais c'est maintenant qu'il faut le faire. N'oubliez jamais cet avertissement aujourd'hui. Si vous entendez la voix de Dieu, ne vous endurcissez pas. Allez. Et ne lui fermez pas votre cœur comme l'a fait le peuple d'Israël qui s'est rebellé contre lui dans le désert. Dans le désert. Et Bakoufaki. Et Bélé Navango Bazalini. Bakoufaki. Ok. Matthieu chapitre 24. Nous allons lire Matthieu chapitre 24. Sur Baneko. Bien aimé. Et Zangonga Moutuna Moutou. Ami Talana. Talatala. C'est le temps où tout un chacun doit se mettre devant son miroir. Tu conduis ton véhicule. On m'a dit que le carburant est comme un rouge, le tableau de bord. Nous, maman, qu'est-ce que tu vas faire? Ozo Lukanini, station essence, pour ça, la nini, au Reva. Ravitaillé. Ravitaillé. Pour, sinon, il y a eu que. Panne sèche. Voilà. De même, à niveau tout commis, il en est de même. Il faut tout ça là, auto-examination. Ils vont faire l'auto-examination. Sinon, qu'aucun des gens sous n'aille y avoir. Sinon, c'est ta faillite. Maman n'a pas besoin de quoi baigner. Une de nos mamans. Azara qui est déçue. Elle était déçue. Ah puis. Jusqu'avant ma caméra confiée, jusqu'avant, quelques mois avant, tout était bien. Et les frères étaient très sérieux. Sérieux, il y a bien. Attends, je n'ai pas cru. Mais un jour, il y a un problème. Par exemple, il y a un problème. Assez à comprendre. Puis papa, ils ont compris, ils ont un film. Tout était bien balingué, panabiso, tout, makamunyos, et toujours, même na ici, bah, sérieux. Mais ils allaient dire, des mots, moko, à cause, il y a confie, ce qui confie, yo. Azongi rétrograde, masanga, makambo, mabi. La dame a coquitté à l'objet, non, il faut la sauver. Je dois en parler.
Nazaki qui choquette, ezai loko oyo ezo salim na tango. C'est ce qui arrive en ces temps. Yango esengeli mutu na mutu azala octo examination. Vie de prière na yo eza dengenini na ngonga oyo nyoso. Emati ou quitte. Communion na yo emati ou ekiti. Ta communion avec Dieu. Bolingo na yo pona yo. Est-ce que emati ou bien ekiti? Ton amour envers Dieu élevé ou rabaissé? Ça m'interroge. Interroge-toi toi-même. Ba couple bele ba mi yebite po ba salaka na temps ensemble te. Ba kei ba zongi na butu mtu na mtafatiki balali. Me tango musale izate ile kote botala ni farafa. Boto epeli. Non, beaucoup ne se connaissaient pas bien car chacun vaquait à ses occupations. Dans ces temps de confinement, on était obligé de connaître les Zoukandi uzala kande boye. Oui, zoukandi uzala kande boye. Oh, tu as tel caractère. Ozo mona ke esali boomerang ya denge ya denge. Et cela a créé des catastrophes. Matthieu 24. Matthieu tanga partir verset 1 jusqu'à 12. Matthieu chapitre 24 à partir du premier verset version Darby et Lingala. Lisons au nom de Jésus. Et Jésus sortit et s'en alla du temple. Et ses disciples s'approchèrent pour lui montrer les bâtiments du temple. Tango Yesu azalaki kobima na lopango ya ndako ya Nzambe, bayekoli na ye bayaki pene pene na ye pona kolakisa ye ndenge batongaki ndako yango. Verset 2. Et lui répondant leur dit: ne voyez-vous pas toutes ces choses? En vérité, je vous dis, il ne sera point laissé ici pierre sur pierre qui ne soit jeté à bas. Kasi Yesu alobaki na bango. Bomoni nyoso oyo nalobi na bino ya solo. Libanga ata moko te ekotika la likolo ya libanga mosusu. Nyoso ekopanzana. Verset 3. Et comme il était assis sur la montagne des Oliviers, les disciples vinrent en lui en particulier, disant: dis-nous, quand ces choses auront lieu, et quel sera le signe de ta venue et de la consommation du siècle? Tango Yesu avandaki na ngomba ya banzete olive, bayekoli na ye bayaki kaka bango moko pona kotuna ye. Yebisa biso, tango nini makambo wana ekosalema? Elembo nini ekolakisa koya na yo besuka ya mokili? James Avalobi, quel sera le signe de ta venue et de la consommation du siècle? Quel sera le signe? So, signe baza. Il y a des signes précurseurs. Verset 4 et verset 5. Et Jésus répondant leur dit: prenez garde que personne ne vous séduise. Car, verset 5, plusieurs viendront en mon nom, disant: moi, je suis le Christ. Et ils en séduiront plusieurs. Voilà. Yesu azongise la kibango. Boke baete moto moko te akosabino. Pambate bato mingi bakoya na kombo na ngai pe bakoloba nazali Kristo pe bakokosa bato mingi penza. Azuta isabiso ba signe ya kozonga na ye. Amen. Il nous montre les signes précurseurs de sa venue. Yangoyo ozomona ngo ma et tout cela est kokisami. Et toutes ces choses sont accomplies. Aha. Verset 6. Et vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Prenez garde que vous ne soyez troublés. Mm-hmm. Car il faut que tout arrive. Il faut que tout arrive. Amoni ango, il n'est pas la basie amoni à prophétiser qui ango. Zalaba koro koro yo. Que ce soit tout ça fait partie. Kotali sa signe kozonga, mais le plus grand signe est à Thessalonien. Quand on commande, c'est lui là antique, c'est lui là qui est contre Christ, a me proclamé en tant que Dieu. Alors, Wanande, le Fils de l'homme, à quoi apparaître? Amen. Tout y est. So, il faut à la sensible, mon âme. C'est pas le moment distraction. Vous allez nous dire combien de personnes à ma communion sont liées au salaté. La mingité déjà au monde ecumenisme bandit
C'est clair. Le début de l'œcuménisme, ils appellent les. Oh yes. Car il faut que tout arrive, mais la fin n'est pas encore. Lingala verset 6. Botoyoka ba sango ya bitumba, pe makelele ya bitumba. Bokeba bo bangate. Bambate makambo yango esengeli ko salema. Esengeli ko salema. Kasi wana ekozala nanu suka ya mokilite. Voilà, ça va si. Verset 7. Car nation s'élèvera contre nation, voilà. Et royaume contre royaume, et il y aura des famines et des pestes et des tremblements de terre en divers lieux. Et que le moko et kokundana et que le mosusu, donc on dit moko et kokundana, oyo mosusu. Nzala et kozala makasi penza pe mabele et koningana na bisika mingi. Verset 8 et 9. Mais toutes ces choses sont un commencement de douleur. Voilà. 9. Alors ils vous livreront pour être affligés, et ils vous feront mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. À cause de mon nom. 8 et 9 lingala. Makambonyo soana, makambonyo soana et kozala kaka, et bandelia baba si oyo mwasi ayo kaka, soki alingi kobota. Bongo, bako kababino po na konyo kolabino, pe bako bomabino. Amen. Verset 10 à 12. Et alors plusieurs seront scandalisés. Voilà. Est-ce qu'ils ont banal? Est-ce qu'ils ont salima? Yangoumouan en Zambé, il faut zala qui dit bateau, il faut zala maïele. Tout ça, ils approchent les ennemis. Et à la base, la loi est belle comme ça. Yangoumouan en Zambé, tous les jours, partout. Ce qui arrive tous les jours. Verset 10. Et alors plusieurs seront scandalisés. Scandalisés. Et se livreront l'un l'autre. Et se haïront l'un l'autre. Voilà. 11. Et plusieurs faux prophètes s'élèveront. Plusieurs faux. Et en séduiront plusieurs. Voilà. 12. Et parce que l'iniquité prévaudra, l'amour de plusieurs sera refroidi. Sukawana. Alléluia. Amen. Voilà. Verset Tango yoki oyo yoki oyo oyo mutu tcheka oyoki be makambo boye normalement soki ozana révélation makambo yote et quoi affecter yo mais bana zambe il faut vous ala sage enfant de Dieu soyez sage pour ne pas être affecté papa kotika la papa ataza liboma mama kotika la mama ataza liboma a ozana choix mususde malgré les défauts ton père reste ton père la mère reste la mère et ça va projet pro agenda préparé c'est un agenda satanique bien préparé alléluia amen 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 na comprendre que au monde mon dimise na vanda na ngai kutuna okendene oza zobate na komuna isu oza avisete oza mûreté dans la parole parce que tout si, nous sommes déjà avisés que toutes ces choses le balanza bese tele si so que nyo so na koya version lingala verset 10 11 et 12 tango wana bato mingi bakotika kondima moni bakote kanape bakoinana eza bato oyo bayebite stratégie ya ennemi bato oyo bazaa visite bato oyo bazaa na connaissance te yango le mon peuple sont détruits faute de la connaissance ces personnes là ce sont qui ne sont pas avisés ceux qui ne connaissent pas ces choses verset 11. Il y a beaucoup de choses que biso bana nzambe toko subi dans ces derniers temps et pele bazo subi makamu mususu eza manipulé projecté calculé les enfants de Dieu subiront nombreuses choses en ces derniers temps et des choses qui sont calculées programmées continuez verset 11 lingala ba prophète mingi ya lokuta bakobima est-ce que bazatelelo bazali zali et comme si mutu nyonso lokuta mais il y a des vrais ne ko il y a des vrais ya solo bazali ya lokuta pe bazali verset 12 lokola mabe ekobakisama na musala nini ba faux ba lokuta ezate ba faux médecin baza il existe des faux médecins
Bah médecins corrompus, bazali. Des médecins corrompus. Bah vrais policiers, bazali. Bah faux, bazali. Il y a des faux policiers, des vrais. Bah vrais mécaniques, bazali. Bah faux, bazali. Des vrais mécaniciens. Bah vrais avocats, bazali. Bah faux. Dans le métier, il y a des vrais, il y a des faux. Dans tout domaine, il y a des vrais et des faux. Oh, azo bongza courant, bah comme il y a ingénieur, ingénieur à Lukuta. Oh, à qui il n'a instauré, à qui nulle part. Capo, azo kanza singa, oh, comme il y a ingénieur, wapi ingénieur à Lukuta. Ingénieur sans diplôme. So, mais les lois comme il likambo, pasteur, pasteur. Non, non. Hey. Faut qu'on doit se respecter quand même. Amen. Oui, bah comme il pèse un kilo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans tout domaine, métier, il y a des faux et il y a des vrais. Na makambo nyonso, bato ya solo bazali kasi bato ba kosa. A cause ya ba faux ko qualifier bato nyonso te faux. Non. Ce n'est pas à cause des faux que tu ne vas taxer tout le monde de faux. Non. Alléluia. Amen. Continue. Verset 12 Lingala. Lokola mabe ekobakisama. Voilà. Bolingo ya bato mingi ekokita. Ekokita. Bolingo ya mabato mingi. Sikoyo yo zota la batu po e affecté bolingo na yo po na zambe. Non. Tala mokeli na yo. Amen. Tala auteur ya kondima na biso. Yesu Masia. Yende exemple na biso parfait. Yes. Amen. Garde ton focus sur Christ, lui notre exemple parfait. Mutuaza lelo, mais l'obi a changé. Yo ye. Connais-tu le cœur de l'homme? Il peut être saint aujourd'hui et demain changé. Toya koloba naba campagne diabolique contre ba homme de Dieu. Et avec toute campagne diabolique qu'on mène contre les hommes de Dieu aujourd'hui. Contre Bananza. Contre les enfants. Parce que le diable a un agenda. Oui, que Satanaza na mabongi ici. Faut tous aller aviser. Devons être avisés. Toutes ces choses, selon Yesu Masia a prophétisé, selon que Christ l'a annoncé, et quoi affecter Kondima ya battu et belé. Ces choses affecteraient la foi de nombreuses personnes. Et quoi affecter Bolingo ya battu et belé. Elles affecteraient l'amour de nombreuses personnes. Voilà pourquoi dans 7 mois ici, Yawana na Sanza Oyo. Dieu nous lance un appel à vous et moi. Tout ça là, introspection, interrogation, tout ça là, appel à nous-mêmes, tout mis examiner, auto-examination, et on réagit en conséquence. Yango ikroma otala, quoi faire pour mukondima emata? Quoi faire pour na bolingo na yo emata? Parce que j'ai dit à mes enfants, liberté de l'humanité, c'est fini. Bon, somi, awa na mokili ya bato, ezali sou. 2019, c'est la fin. Et komi, contrôle sous contrôle. Et komi de contrôle na contrôle. Et moi, je parle d'aspect spirituel. Nous avions vu ces choses de loin, très loin. Totanga, lisons 2 Thessaloniens chapitre 2 pour like ça. So, nazo feyo voir, ce sont des choses qui doivent arriver, mais you attend que mutuaza avisé o yebi eko kiko refroidi konima na yo te ni bolingo na yo pour na zambe na yo. Amen. Parce que déjà tu es déjà avisé. Yes. Amen. Makambo oyo esengeli ko sale maya solo kasi yo soki oyebi yango liboso ekosala yo eloko moko te po oyebi nyonso esengeli kokoma. 2 Thessaloniens 2 na kontotanga patia basien jusqu'à 6 pour na bonne compréhension. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 1er à 6 version Darby. Or nous vous prions frères par la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et par notre rassemblement auprès de lui, verset 2, de ne pas vous laisser promptement bouleverser dans vos pensées, ni troubler, ni par esprit, ni par parole, ni par lettre, comme
comme si c'était par nous, comme si le jour du Seigneur était là. Verset 3. Que personne ne vous séduise en aucune manière. Car ce jour-là ne viendra pas que l'apostasie ne soit arrivée auparavant, oui, et que l'homme de péché n'ait été révélé, le fils de perdition. Verset 4. Qui s'oppose et s'élève contre tout ce qui est appelé Dieu. Et c'est ce qui se passe maintenant. Ou qui est un objet de vénération, en sorte que lui-même s'assiera au temple de Dieu, se présentant lui-même comme étant Dieu. Comme étant Dieu. 5. Ne vous souvenez-vous pas que quand j'étais encore auprès de vous, je vous disais ces choses. Verset 6. Et maintenant vous savez ce qui retient. Et maintenant vous savez ce qui retient pour qu'il soit révélé en son propre temps. 7. 7. Car le mystère d'iniquité opère déjà. Opère déjà. Seulement celui qui retient maintenant le fera jusqu'à ce qu'il soit loin. Alléluia. Amen. La ligne 9, c'est que aussi longtemps que les enfants de la lumière sont encore là, amen, Yangonde est retenu. Yes. Mais quand la ligne était tango a commis proclamé, dans peu de temps, quand il se proclamera, et toyebi, ils ont outawabi. Et nous savons tout ça. C'est clair. Ils appelaient les. Alléluia. Amen. Version Lingala 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Nous lisons à partir du verset 3 au verset 6. Bondi maté moto atamoko akosabino atana lolenge nini. Bambate liboso te mokolo wana ekoma. Bato basengele liboso ko boya maté ya Kristo pe moto ya masumu asengeli komona na liboso. Yango ezo salema malembe na lembi na zongili boyengai zamizambe boni. Tout ça eza projet ya Satana pour na koboma kondima ya batu epele. Comment zambe oyo asali mokili yo moko réfléchi tala na no Congo na biso denge za munene vaste fois do même Nigeria le plus populaire oyo baza population mon koleka biso fois do ici tala mabele mino mutu moko na coin moko musique. Quelqu'un assis très loin. Le billet, population mondiale est commis et belé, il faut réduire à nini. La terre est en surpopulation, on doit réduire le nombre. Hein? Oh. Espace est allé. Il y a de l'espace. Ça, c'est le diable. C'est lui qui vient voler, détruire et tuer. Wana Satana, oh, aye, ko iba, ko bebi sa paix. Bien aimé, quand tu lis la Bible, n'exagérez pas. Tangango brut, na mubeso, na lobiango. Que monsieur, ya John dit, il vient voler, détruire et tuer. C'est clair. Mais moi, je suis venu pour vous donner la vie. Alléluia. Amen. Il veut que nombreuses personnes meurent sans le salut. Il va inventer ma cambrebelle. Oh, ils ont pour ma bâton à coro. Et à comme ma cambrebelle en dengue. Alléluia. Amen. Verset 4. Moto oyo asengeli ko beba, oyo azali ko telemela, pe komi pe sa lokumu likolo ya nyonso, oyo bato babengaka nzambe. Nzambe. Oyo bato bangumba melaka. Voilà. Pe akokende kutu kovanda na ndako ya nzambe pe akomi benga ye moko ete azali nzambe. Voilà. Verset 5. Ozana de voix tanga yango tina suka chapitre yo mais mwana ta iza musa mulai boko mona yango. Alléluia. Si tu lis voilà. Le chapitre 5. Boni bozali lisusu kokanisa te ete tango nazalaki elongo na bino. Et na yebisaki bino makambo wana 6 pe sikoyo boyebi oyo ezali kokangisa ye pe ete akokomimonisa na tango na ye 7 bamba te nguya ya masumu oyo ezali naino kobomba ma esi ebandi kosala kasi ye oyo azali kokangisa yango kino sikoyo akoko bakosala bongo kino tango bakolonga ye. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Déjà, Yesu masi akosokipe na ye na ngonga na ye.
Continue. Quelle version? Version parole vivante en parole. Merci. Des Thessaloniciens, chapitre 2, verset 1er à 6. Je reviens sur la question du retour de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre enlèvement qui nous réunira auprès de lui. Nous vous en prions, chers frères. Verset 2. Ne vous laissez donc pas si facilement ébranler dans votre bon sens, ni effrayer par des prétendues révélations de l'Esprit, par des propos que l'on nous attribue ou des lettres qui viendraient soi-disant de nous et qui vous feraient croire que le jour du Seigneur serait imminent ou même que le Seigneur serait déjà revenu sur terre. 3. Ne vous laissez surtout pas troubler si vite que personne ne vous égare sur ces points. Car le jour du Seigneur n'arrivera pas avant la grande rébellion finale contre Dieu. L'apostasie. Référence, papa. L'apostasie. Yoka. C'est-à-dire les rejets de toute foi. Voilà. Les rejets de toute foi. Les autres salaires, il y a quand même un prophète, c'est le Jésus, continue à niveau. Les autres salaires, année où il y a caca avant de côté la décembre. Avant d'arriver en décembre. Vous écoutez? Comme ça, on dit, man. Afin que vous croyez. Yes. Et c'est bandit. Ça a déjà commencé. Écuménisme, c'est bandit. Écuménisme, tu vois l'accomplissement de la parole de Dieu. Sauf que vous somnolez. Sauf que vous somnolez encore. À cause de Jésus-Christ de Nazareth et Dieu, et il est réel. Amen. Et puis tout sur la terre, c'est à cause de cela. Et tout bien que vous voyez sur la terre, entre le ténèbre et la lumière. Et Zalia Tumbaké, tu as polé dans la lumière. Il y a un combat qui s'est zaté à Colombo les athées. Alors, 1000 ans devant lui, c'est comme un jour. Un jour, c'est comme 1000 ans. Ce ne me dit pas que je suis comme depuis que je suis porte. C'est ça, calcul humain. Date humaine. Mais il y a des choses différentes. 1000 ans devant nous, c'est comme un jour. Un jour, c'est comme 1000 ans. Amen. Alléluia. Yes, amen. L'apostasie. L'apostasie, c'est-à-dire les rejets de toute foi et toute croyance. Les rejets de toute foi. Ok, le koni ne komeli ba Daniel na ba nini ba Shedrak na tangwa mutuyon so va gumbambela. Mutuyon so obligé. Loi isobima. Mutuyon so na tangwa Daniel. Faut pas adorer. Awa na biso lelo Apocalypse alobi, on va obliger toute nation d'adorer la bête. La bête. Mutumoko a lobby au Yokiango, a lobby l'événement de la bête est là. A lobby. Basali Mutukamoko Babinyango, la bête. Tout ça, est-ce que vous avez maillé l'été au Sosola, au décodé ce qui se passe? Tableau na yozo benga tout le temps. Pour composer un numéro, ils ont pensé au nini, chiffre, kakaye, ya, la. Bête. Nous sommes des temps. Parce que c'est ce qu'il est. Ou additionner 1 plus 2 plus 3 et puis sur chiffre. Ou additionner 4 plus 5 plus 6. Ou bétiango et tout ça, c'est quoi? Yes. Je reprends le verset 3. Ne vous laissez surtout pas troubler si vite que personne ne vous égare sur ce point. Car le jour du Seigneur n'arrivera pas avant la grande rébellion finale contre Dieu. Les hommes jetteront toute foi par-dessus bord. Il faut qu'apparaisse d'abord l'homme sans foi ni loi, destiné à la perdition, le mal incarné. Référence, l'homme de l'absence de loi, c'est lui qui rejette toute règle et toute norme. Cette attitude s'incarnera sans doute en un homme précis. Certains manuscrits portent l'homme des péchés. D'autres traduisent l'homme de la révolte. Il faut une référence. Oui, papa. Écoute. Yes. L'homme de l'absence de foi, c'est lui qui rejette toute. C'est-à-dire l'apostasie. Oui. Yes, l'apostate. L'homme de l'absence de loi, c'est lui qui rejette toute règle et toute norme. C'est lui qui rejette toute règle et toute norme. Cette attitude s'incarnera sans doute en un homme précis. À un nom,
oh, masha, mekelia. Is an it not sorted nazoe? But tanga place one at least. Cette attitude voilà. S'incarnera, s'incarnera. Sans doute en un homme précis. Sans doute à un homme précis. Et Oyebi, Yomoko Oyebi. Oyebi, mais Ozo, mais ça ne. Le monde entier le connaît. Mais avant décembre ici, Azo manifeste Mke. Il va se manifester dans peu de temps. Seigneur Dieu s'est manifesté avant mois de mai ici. Mais à mon peut-être limité, il faut à manifester encore. Il est déjà là. Azali déjà. Ah, continuez. Certains manuscrits portent l'homme de péché. D'autres traduisent l'homme de la révolte. À l'obi angope, il va s'incarner à un homme précis. Yes. À un homme. Yes. Un homme précis. Motomoko batomingite. Verset 4. Lorsque cet adversaire entrera en scène, il se dressera contre tous ceux qui portent le nom de Dieu. Voilà cette personne-là. Azo adoré. Yes. Yo mo fungola misuna partout na mokili barua banini tureli barua adoré. Yes. Mais c'est le diable qui s'incarne. Mais c'est là. Yes. Lorsque cet adversaire entrera en scène, il se dressera contre tous ceux qui portent le nom de Dieu. Oui. Tout ce qui est l'objet d'un culte ou d'une vénération religieuse. Yangoyo, yangoyo, yangoyo. Yes, yes, yes. Yangoyo. Yes, yes, papa. Ma chobra, dégabada ya seize. Il ira jusqu'à s'asseoir dans les temples de Dieu et à se faire passer lui-même pour Dieu. Dieu. Verset 5. Ne vous souvenez-vous pas qu'étant encore près de vous, je vous parlais souvent de ces choses. Verset 6. Vous savez ce qui lui fait obstacle. C'est nous. Et l'empêche de paraître avant que son heure ait sonné. Dango balumé bakozala enlevé. Wana azui pour conseil. À 100%. Manifesté à 100%. Excusez papa, nous lisons la version Scofield, verset 6, commentaire. Commentaire, merci, référence. Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Commentaire. La disparition de ce qui retient ou freine le mystère de l'iniquité, il existe divers points de vue sur l'identité de cette puissance. L'emploi du pronom masculin, c'est lui. Après le neutre, indique qu'il s'agit d'une personne. Les faits suivants semblent prouver qu'il ne peut être question ici que du Saint-Esprit. Omoni, c'est ça. Dès que Bisoto m'a dit, nous partons avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est où? Ici. Le Saint-Esprit est en nous. Dès que le Saint-Esprit s'en va. Oui, qui a quitté depuis les jours de Pentecôte. Dès que Amati, c'est finito. Dès qu'il monte, tout serait fini. Maintenant, l'apostate a joué beaucoup aussi pesa. Nasambeli okozanga te mukulu wana. Amen. Na kombo na Yesu Masiya. Amen. Na banzi ndeko opambolami. Bien-aimé, je pense que tu es béni. Il faut tout ça là. Auto-examination. Nous devons faire l'auto-examination. Il faut tout ça là. Auto-examination. Nous devons faire l'auto-examination. C'est très important. Les amotu ya mingi. Parce que Makambo, dengezo kende na mokili, ezo talisa biso, tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Dès que les choses avancent, cela nous montre que Makambo ananyo sekouman. Alléluia. Amen. Bandeko, bien-aimé, toko kumi sazan parce que ngonanga eseke. Nous allons louer Dieu parce que mon temps Alléluia. Est passé. Ngonanga eke. Mon temps est passé. Nous allons louer Dieu, glorifier Dieu. Partout où tu es, fais comme si nous étions ensemble dans une même salle. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Puisse illuminer les yeux de ton peuple. Et
songisa ba oyo ba bungi nzela. Il puisse ramener sur le chemin ce qui était égaré. Oba yeba ke ozo zonga denge okomaki. Afin qu'il sache que tu reviens tel que tu l'avais dit. Simba mokona mokona biso. Touche tout à chacun de nous. Pense à chacun ngolu ya kosala auto examination. Donne à chacun la grâce de mener l'auto examination. En assemblée. Et je prie pour naba oyo baza kobela pour les malades na sengi nguyana yo et traverser bango na nzoto que ta puissance les traverse le corps et na décréter guérison. Je décrète ta guérison. Na décréter délivrance. Je décrète ta délivrance au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Merci mon Dieu mon roi. Matondo nzambe mokonzi na ngai. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Bandeko. Bien-aimé. Nazana quelques communiqués ici à Kopé Sabino. J'ai un communiqué à vous annoncer. Et c'est très important. Toye Bayango pour Tolanda. Bamibeko yasika oyo surtout na retour les 16. C'est très important de les savoir, surtout concernant notre retour. Nayango nazo annoncé que à partir de dimanche le 16, tokozala deux cultes dimanche. Premier culte ezobanda na 6h à 8h30, deuxième culte à 9h à 11h30. S'il te plaît, Panza Sango, 6h à 8h30 et deuxième culte, 9h à 11h30. Déjà, le dimanche 16, nous aurons deux cultes, le premier culte de 6h à 8h30 et le second culte de 9h à 12h. Chaque mercredi comme aujourd'hui, ça reste toujours à 10h, culte Moko. Les mercredis, nous aurons toujours un seul culte à 10h. Vendredi, nous allons à la première culte, 16h30 à 18h. Le vendredi, nous aurons le premier culte de 16h30 à 18h. Et Moussousou, 18h30 à 20h. Et le second culte de 18h30 à 20h. Pour notre maman, Nabiso, Bakina, Moussalate, Nabondeli, Bino, Bino, Boya, Nakute, il y a 16h30. Batu, Bakina, Moussala, Bango, Bakota, Nakute, il y a 18h30, vendredi. Et ceux qui travaillent, nous les appelons à venir au culte de 18h30 à 20h. Et ceux qui n'ont pas souvent d'occupation à ces heures-là, nous vous invitons au culte de 16h. Je ne parle pas de vendredi ici. Je parle de à partir le 16, dimanche le 16, to bandi, mercredi, après vendredi ou anandé na zoloba. Après dimanche le 16, s'il vous plaît. Parce que comme on a battu musos, bah on bimila biso awa vendredi oyo na zoloba vendredi oyo te vendredi kuna. Après dimanche le 16. Et je ne parle pas de ce vendredi, mais je parle du vendredi d'après le dimanche de 16h, c'est là que nous allons commencer ce programme. Et la deuxième communiqué, pour na batu oyo batindaka, semence, kouta, libanda yamboka, ba dimba, action de grâce, tout ça au fond. S'il vous plaît, tozo lobake, combo. Échanger, et ça les soutient Papa Fulgence Ndula Azana Biso, mais il est très fort. Yango ana topé sibino combo mususu oyebokuba otinda eza Mudiai Shibala Claude. Mudiai Shibala Claude. Mudiai Shibala Claude. Tamoni Azamu Luba. On va désormais envoyer les semences par le nom Mudiai Chibala Claude. Et comme on a écran, on a na komo na yende boko tinda yonso parce que soki otini na kombo ya Papa Fulgence il est en repos na minute otozoloba mwen akende ezate que Dieu vous bénisse pour la bonne compréhension. Zala connecté et branché toujours. Restez toujours connecté et branché jusqu'à le 16. Jusqu'au 16. Tokutana na cute na biso ya liboso. Nous nous revenons
nous révérons profiter nangonga oyo biso banso, que Dieu vous bénisse. Profitons de ce temps, nous nous révérons. Le temps de témoignage. Petela Yesu maboko makasi. Bonjour papa Dayo Samuel. Ezanga ser mimi na ekope sa nzambe na ngai merci na oyo asali kati na papa na ngai abikisi papa na ngai azalaki na maladi makasi ti ekendaki asala AVC me nzambe na bolingo na ye tango asali AVC na bandi kobondela na ba priere oyo lakisa biso na kamati makila Yesu na melisi ye tango na melisi ye etoke na ye na hopital nzambe asali ya minene loboko ezongi normal nyonso ezongi normal azwi traitement pe abimaki yango na ekopesa nzambe ya papa Dayo Samuel. Merci daddy. Nzambe koba na kopambola yo, nzambe koba na kobatela yo na libota na yo, abakisela yo yebele pote okobaka na kolendisa biso na losambo na yo. Merci papa daddy. Petela Yesu maboko makasi. Tikana prophétiser na vie naye. Nasa kola na boyi. Bista baninga bazo kufa ko kufa te. Eloko epomi tata na yo ko poma yote. Eloko epomi mama ko poma yote. Ya ye. Le chou de chaque chrétien. Bon pour vous. Passe à quoi? A toi yé baïke. Que la vie est spirituelle. Et que la foi est spirituelle. Et tu commences à spiritualiser ta vie. Va commencer à dominer sur cette terre. Est-ce que Basimba Kazambe a parti à l'élo na commission intouchable? Amen. Na commission bino invisible. Na yoko kosa yo na linie ya batuba isapa makambo ya tenyewa.